bienvenue pour ce nouvel épisode d'Avis à Vif. Alors aujourd'hui, je suis assez content de vous présenter le jeu que je vais vous présenter pour la simple et bonne raison que ça fait déjà un moment que je voulais l'acquérir celui-là et qu'il est peu connu. Je pense que la plupart d'entre vous qui vont regarder cette vidéo ne le connaissent pas. Enfin, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est quand même pas le jeu le plus connu de la Super NES. Et donc, il s'agit, comme vous avez pu le voir, de SOS sur Super Nintendo, qui s'appelle aussi Septentrion sur Super Famicom. Voilà un peu la jaquette. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui s'y connaissent bien en Super Nintendo, il n'a rien à voir avec l'autre SOS qui s'appelle Swink or Swim, que je n'aime pas d'ailleurs, je vais vous mettre une petite miniature. Strictement rien à voir avec ce jeu-là, ce n'est pas le même jeu, ça n'a rien à voir. Voilà, tu oublies, c'est la même chose, ça n'a rien à voir à part le titre qui s'appelle SOS du coup, mais sinon l'autre, rien à voir. Alors, comment j'ai découvert ce jeu ? Eh bien écoute, c'était il y a déjà plusieurs, il y a déjà peut-être 3 ans je crois, 3 ans que j'ai dû voir ce jeu tourner, c'était sur la chaîne No Life. Je crois que c'était dans leur rubrique Retro and Magic, et je sais même plus sur quel thème c'était. Et j'ai vu ce jeu tourner, et je me suis dit, putain, mais ça a l'air assez hallucinant quand même. Ouais, ça m'a vraiment fait bloquer, parce que c'est, si vous allez le voir, le concept est quand même assez original. Là, on peut pas dire le contraire. C'est un jeu qui a été fait par Human, qui sont aussi responsables de celui-là, de The Fireman, l'excellent Fireman, que je vais bientôt aussi tester dans un avis à vif, parce que je ne l'ai jamais terminé, là je vais m'y mettre du coup. Qui sont aussi, je crois, responsables de Clock Tower, enfin bref, c'est une équipe qui ne sont pas avares sur les idées originales, j'ai envie de dire. Une équipe qui n'est pas avare sur... oui, j'ai des problèmes avec la conjugaison des fois, tu sais, c'est pas évident. Voilà, donc je vais vous... Je vais déjà vous lire la petite histoire derrière. Et puis on va faire comme d'hab, hein. Donc cette fois-ci, technique, comme d'hab, technique, musique, gameplay et scénario cette fois-ci. Parce que oui, il y a un scénario dans celui-là, on va pas passer à côté non plus. Alors, vous êtes prêts? Ben oui, c'est en anglais, je suis désolé. Il est jamais sorti en Europe, hein, faut savoir. Hein. Il est sorti donc que au Japon sous le nom de Septentrion et donc aux États-Unis sous le nom de SOS. Hein. Il existe des cartes mode sur des cartouches européennes, pâles, mais c'est des cartes mode. Hein. Faites gaffe parce qu'il y en a qui font penser, qui font croire que c'est une vraie cartouche. Alors, are you destined to survive or fated to a watery grave? In 60 minutes, you'll find out. Meanwhile, you'll have to keep your head above water. Of course, with the ship capsizing, you may not know where above is. You may be tempted to save your own life, but saving others may have its rewards. Whatever you do, do it quickly, because time is the difference between life or death. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu-là, les gars? Alors écoutez, c'est très simple. Vous prenez le film Titanic, alors j'ai regardé d'ailleurs, c'est pas vraiment Titanic apparemment, c'est une inspiration plus d'un jeu, d'un film qui s'appelle Les Aventures de Poséidon. Je ne connais pas du tout, c'est le même type de scénario. En gros, c'est un bateau dans les années 1910-1920 qui va couler. Et donc toi, donc un bateau de croisière, toi tu vas contrôler un mec et le but ça va être de t'en tirer avant que le bateau coule complètement. Et pour ça, t'as une heure. T'as une heure en temps réel, vraiment dans la vraie vie que là nous on vit, t'as une heure pour t'en tirer. Voilà en gros le principe de ce jeu. Tu peux jouer que tout seul. Donc ça ne se joue pas à deux. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est tout pour ce qui est de l'intro. Voilà, là je vous ai donné un peu le truc. Donc maintenant on va passer à la technique, à la musique, etc. etc. Vous connaissez le programme. Alors, on y va pour la technique. Alors, comme vous pouvez voir, donc tu es sur un bateau et ce bateau est en train de couler. Et en fait, à des moments, si tu veux, c'est ça qui est sympa, c'est même plus qu'à des moments, c'est peut-être toutes les 3 minutes, c'est difficile à dire. Le bateau, en fait, va tourner. En fait, la pièce dans laquelle tu vas être va se retrouver sans dessus-dessous. Et c'est là qu'intervient et qu'ils abusent, je crois que c'est peut-être le jeu qui en abuse le plus, du mode 7 de la Super NES. Alors là, tu en bouffes. Hein. Donc ça tourne, en fait, tu vas avoir le bateau qui tremble, toute la pièce dans laquelle tu es tremble,
Et quelques secondes après, hop, ça bouge, tac, et ça tourne comme ça. Un petit peu à la Castlevania 4, c'est quand t'es accroché comme ça. Et bah, c'est le même esprit. Et du coup, c'est hyper sympa parce que tu vois, les pièces, tu peux les faire, les endroits, il y a des endroits que tu peux faire dans tous les sens en fait, en fonction de comment est le bateau, tu vois. Et c'est assez sympa comme principe. Maintenant, tu vois, il y a des trucs qui sont un petit peu. Ouais, c'est un peu space parce que. Il y a du détail, mais pas tant que ça. En gros, par exemple, quand tu es dans les allées principales de ce bateau, tu sens qu'il y a eu une vague qui a renversé le bateau, etc. Donc tu peux voir, par exemple, qu'un canapé a été complètement ravagé parce qu'il est, en fait, le plafond est au sol et le sol est au plafond. Donc le canapé est tombé, tu vois, par exemple. Ok. Mais ça, c'est à peu près dans les allées principales et encore pas toutes. Mais dès que tu commences à aller dans les chambres des gars, alors tu sais pas pourquoi, genre les lits sont collés au plafond, les canapés sont collés au plafond, voilà. Ok, on va dans le détail, mais faut pas aller trop loin non plus, tu vois. Bon, voilà, c'est juste pour. Après, il faut aussi noter que il est quand même assez pauvre, comme vous pouvez le voir sur les images. Techniquement, voilà. C'est pas la force du jeu, quoi. Et la force du jeu, c'est éventuellement, techniquement, c'est le mode 7 qui est utilisé à fond, mais sinon, voilà, on a vu bien plus beau sur Super Nintendo, comme vous pouvez vous en rendre compte. Les personnages, voilà, pas beaucoup de détails, quoi. Comme vous voyez, c'est pas. Il y a plusieurs passages dans le bateau. Tu as un peu la salle des machines, t'as les chambres, t'as vraiment, ouais, t'es en plein Titanic, hein. C'est assez sympa de ce côté-là. Des fois, tu peux être dans la flotte. Mais bon, voilà, ça va pas être une claque dans ta gueule, hein, graphiquement, on est bien d'accord. Hein. Donc je lui mettrais techniquement un 6 sur 10, ce qui relève la note, c'est ce côté mode 7 qui est bien utilisé, mais vraiment bien utilisé, et pas juste une super idée. Ouais, donc moi ça remonte un peu la note, mais sinon j'aurais peut-être mis un 4, tu vois. Ensuite, la musique, pas grand chose à dire, à part que il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont bonnes, elles te mettent très bien dans l'ambiance. J'ai pas de critique à dire là-dessus, les bruitages sont plutôt bons. Donc de ce côté-là, vous connaissez, hein, moi là-dessus, à partir du moment où une musique me dérange pas et que ça passe plutôt bien, je mets un 7, c'est ma note de base. Donc un 7 pour la musique. Là où on va commencer à parler un peu plus longuement, c'est sur le gameplay, évidemment. Alors, quand tu commences ce jeu, tu as le choix entre 4 personnages. 4 personnages qui commencent à des endroits différents du bateau, faut bien savoir ça. Donc, ces quatre personnages ont leur propre histoire. Et à partir de là, donc toi, une fois que tu contrôles ce gars, tu as une petite histoire qui se met en place, t'as des textes, t'as des petites discussions, etc. Tu vas te balader dans le bateau pendant, une minute ou deux, et hop, d'un coup, tout tremble, et puis tu vois le bateau d'extérieur, enfin c'est une image fixe en fait, avec une vague qui submerge le bateau. À partir de là, c'est la merde. Donc là, d'un coup, tu reviens sur ton écran de base, t'as le perso qui est par terre, et il dit « Putain, il s'est passé quoi? C'est la merde, putain !» Et à partir de maintenant, il faut que tu trouves la sortie. Donc c'est clairement un labyrinthe, c'est clairement ça. L'intérêt aussi de ce jeu, c'est de pouvoir libérer un maximum de personnages. Alors je crois que tu peux libérer, je crois, jusqu'à 7 gars, pas plus, pour que tu les amènes avec toi pour se sortir de cette merde. Et donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure en intro, tu as une heure pour ça. Par contre, dès que tu perds une vie, donc en fait, tu peux perdre des vies en... Bah, par exemple, en te faisant cramer quand il y a du feu, en te prenant un truc sur la gueule qui vient de tomber, parce que bah, le bateau bouge, ou alors, si tu tombes d'une taille qui fait 4 fois ta taille, en gros. Tu fais un saut qui fait 4 fois ta taille, là, tu meurs. Et donc, quand tu meurs, tu perds 5 minutes de la vraie vie. Donc, ça veut dire que, voilà, 5 minutes qui dégagent, donc tu as moins de temps pour finir. A savoir que dans le jeu, tu ne peux pas sauvegarder, évidemment, tu dois le faire d'une traite. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Alors, en termes de jouabilité, donc tu marches, voilà, normal, tu ne peux pas vraiment courir, et tu as le saut. C'est à peu près tout, puis un bouton d'action pour ouvrir les portes, et aussi pour parler au personnage. Le problème, c'est que c'est quand même pas très précis, hein. Bien pas se cacher, que ça pourrit un peu le jeu, ce saut est pas génial, tu sais pas vraiment trop, tu peux t'accrocher à des moments, c'est pas un exemple de jouabilité, c'est un peu frustrant. En plus, il faut savoir que donc, pour que tu amènes des gens avec toi, il faut discuter avec eux,
C'est important parce que si tu discutes pas avec eux, tu passes avec eux, ils vont te poser une question que tu ne réponds pas. En fait, ils vont te faire un peu la gueule, tu vois, après ils te parleront pas trop. Donc faut vraiment discuter avec les gens pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils te suivent jusqu'à la sortie. Et donc tout ça, c'est voilà, c'est beaucoup de textes hein, qui passent, mais c'est intéressant, hein, c'est des dialogues qui peuvent être assez intéressants. Et du coup, voilà, après les gens, faut qu'ils te suivent. Donc pour ça, pour te suivre, pareil, donc t'as un bouton qui te permet de dire aux gens, ouais, je venais par là, etc., tu vois. Mais voilà, tu sens que l'IA, elle est quand même pas au taquet. Alors, ok, il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque, les gars, on est en 94, on est sur Super Nintendo, tu vois. Voilà, je trouve déjà que pour l'époque, c'est très très bien pensé. Mais voilà, l'IA, les gars, le temps qu'ils te suivent, putain, c'est long, quoi. C'est long, ils sont un peu cons, enfin... C'est pas fluide, quoi, tu vois, c'est pas le gros kiff de ouf. Tu peux vite prendre les boules, si tu veux. Même si l'idée est vraiment excellente, hein, une fois de plus, mais voilà quoi, je trouve ça un peu frustrant, on va dire. Il y a un autre truc aussi auquel faut bien penser, c'est que justement ce fameux mode 7, c'est-à-dire que si t'es par exemple dans une pièce, toi t'es dans une position particulière, et tu sens que le truc tremble, donc ça veut dire que c'est à partir où ça tremble, le bateau va tourner dans un sens ou dans l'autre, ça tu peux pas savoir à l'avance. Il faut que tu fasses gaffe où tu es. Parce que selon où tu es et qui tourne, tac, tu te retrouves dans le vide, tu perds une vie. Et en plus, tu descends plein d'étages pour remonter là où tu étais, t'es dans la merde, tu vois. Et il y a des passages où il y a des pièces, en fait, pour pouvoir passer à des endroits, t'es obligé d'attendre que le bateau soit dans une certaine position pour pouvoir aller dans l'endroit où tu veux, tu vois. Tout ça fait que c'est quand même un brin casse-tête. C'est un putain de labyrinthe. Il faut vraiment penser comme ça. Et là où je vais pester contre ce jeu, déjà avec les quelques petits défauts assez chiants que je vous ai mentionnés en termes de jouabilité et de gameplay, c'est qu'il n'y a pas de carte, quoi. Il n'y a pas de putain de map, donc tu ne sais pas où tu es. Alors, certains me diront, mais si, il y a une map avec machin. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un des personnages qui a une map dès le départ, et les autres, ils doivent la récupérer, en gros, c'est un peu ça. Mais, que tu la récupères ou que tu l'aies dès le départ, peu importe. Mais la map, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une map du bateau avec toutes les pièces. D'accord? Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu dois aller. Voilà. C'est comme si dans Zelda, on te donne la map sans boussole. Ouais, sans boussole. Et encore même pire, parce que je crois que dans Zelda, quand tu as une map, tu sais quand même où tu es, si je dis pas de conneries. Même si tu n'as pas la boussole. Oui, parce que tu sais où tu es, mais tu sais pas où sont les objets, etc. Et ben là, non, tu as une map comme ça, comme dans la vraie vie. Par exemple, tu prends ta carte. Voilà. Le problème, c'est que va te repérer dans quelle pièce du bateau tu es. C'est monstrueux, quoi. C'est un putain de casse-tête de malade. Rien que ça, moi, ça m'aurait vraiment aidé dans mon expérience de jeu. Parce que j'ai un sens de l'orientation un petit peu à l'arrache, tu vois. Et bah, je peux te dire que ça m'aurait bien aidé. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as le bateau qui est sans dessus-dessous, tu sais plus dans quelle pièce tu es. Bah, c'est un truc... Oh, casse-tête à fond. Donc, voilà. Ça m'a vraiment grave foutu les boules, les gars. Je dois vraiment vous dire. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus fait chier, en fait. J'ai vraiment fait beaucoup de parties, hein. J'ai galéré, et donc moi d'ailleurs je l'ai fini comme un gros naze, parce que je suis parti tout seul, j'ai réussi à le finir en partant seul. C'est du day and retry, hein, aussi typiquement, parce que tu peux pas savoir, t'es obligé de tester des endroits pour savoir comment passer, etc. Enfin voilà, tu ne réussiras pas du premier coup, hein. Ça me paraît très très compliqué. Voilà, donc tout ça pour dire que le gameplay, je vais lui mettre un 4 sur 10. Ensuite, on va parler du scénario, et oui. Il est rare que je parle de scénario dans la vie à vif, en tout cas sur des jeux rétro. Mais là, je suis bien obligé d'en parler parce que c'est quand même assez balèze. En fait, faut bien concevoir que donc déjà quand le jeu commence, ça commence un peu comme un film. D'ailleurs, je crois qu'il met film, d'ailleurs, si je dis pas de conneries au départ. Et donc, tu as 4 persos différents. Ces 4 persos ont vraiment leur propre histoire. Alors, de mémoire, tu en as un qui voyage avec sa sœur qui est malade. Il y a un mec qui voyage avec sa femme, donc le mec qui est avec sa sœur, c'est un jeune, hein, il doit avoir, je sais pas, peut-être 25-30. Et puis après, t'as un monsieur qui a peut-être 50 ans qui voyage avec sa femme. C'est leur premier voyage, je crois, depuis un moment. Tu as un père de famille aussi. Et tu as aussi un gars qui est qui bosse sur le bateau, en fait, qui fait partie du crew. Et donc en fait chaque personnage ont vraiment une histoire assez précise. La psychologie du personnage est assez développée, je trouve, pour un jeu Super Nintendo. Et ça c'est hyper intéressant, et l'interaction que tu as avec les autres persos également.
Tout ça fait que finalement tu as 4 scénarios en un, et si tu veux vraiment connaître le jeu à 100%, bah t'auras intérêt à faire tous les scénars, tu vois. Évidemment, faut quand même être motivé avec tout ce que je t'ai dit auparavant. Moi perso, ça m'a pas motivé à ce point, tu vois. Mais force est de constater que tout ça n'est pas négligeable. Vraiment pas négligeable. Donc, aussi, il faut savoir que les persos sont assez attachants, de fait, parce que leur conversation qu'ils ont entre eux, c'est pas « Salut, ça va ? Ouais, ça va, ta gueule ?» Non, ça va loin, tu vois. Je me souviens, par exemple, du monsieur qui parlait avec sa femme. « Ah ouais, on n'a pas dansé ensemble depuis la fac. Ah, notre premier, on était bien. » Si tu veux, tu es dans l'intimité des personnages, tu vois. Et ça rend le truc... bah, très humain en fait, très très agréable de voir ces petits pixels qui finalement ont une âme quelque part, tu vois. Alors aussi, à savoir qu'il y a de multiples fins différentes dans un jeu. Les fins vont dépendre de plusieurs aspects. Déjà du nombre de personnes que tu vas sauver et de quelle personne tu vas sauver. Parce que chaque personne, chacun de ces quatre personnages, ont des personnes pour qui leur sont chères. Donc t'as le mec, c'est sa sœur malade, t'as l'autre, c'est sa femme, enfin voilà quoi, t'as le mec du crew, c'est être le capitaine de bord, tu vois, genre de truc. Et donc déjà, si tu sauves cette personne qui t'est chère, déjà t'as une fin qui est pas dégueu. Mais pour améliorer encore cette fin, il faut sauver d'autres personnes. Donc au moins, c'est 7 maximum, et là t'as la fin ultime. Si tu sauves ta personne de cœur plus 6 autres personnes du coup, et bah là t'es une super fin. Mais après, tu peux te barrer tout seul. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que je suis un gros nain, un gros égoïste, tu vois. Puis franchement, j'en avais plein le cul, moi, tu vois. Je voulais juste me barrer de cet enfer. Et là, t'as une fin de merde. En gros, t'as une fin, ouais, t'es qu'une merde, t'es parti tout seul. Enfin, voilà. Donc, il est riche. Il est très riche, le jeu. Là, de ce côté-là, en termes de scénario, c'est très, très riche. Une fois de plus, pour de la Super NES, hein. Et vraiment, assez surprenant, je sais pas. Moi, j'ai trouvé des réactions de personnages qui étaient... qui était très réaliste en fait, tu vois, vraiment bien, comme si on regardait un petit film, vraiment c'était très très sympa. Donc, en termes de scénario, je vais lui mettre un 7 sur 10. Ensuite, pour conclure, alors, comme vous avez pu le voir, c'est mais putain d'original, quoi. Alors là, je peux vous dire, ce jeu mérite d'être plus connu. Après, il faut pas non plus le rendre meilleur que ce qu'il n'est. Il a beaucoup de défauts, malheureusement, il a vraiment beaucoup de défauts, et ce jeu mériterait clairement un reboot. Un reboot vraiment avec tout ce que je vous ai dit, une meilleure jouabilité, meilleure interaction avec les mecs qui suivent, une map, une putain de map, tu vois. C'est des petits détails qui font que ce jeu est fastidieux et laborieux, voilà, il est laborieux, je pense que c'est ça le problème en fait, on va dire. Maintenant, il mérite quand même de sortir de l'ombre, et j'espère que j'ai regardé sur internet, peu de gens parlent, en tout cas des francophones, j'en ai pas vu, donc j'espère rétablir un peu, on va dire, la lumière sur ce jeu que je vous invite, quoi qu'il en soit, pas forcément à posséder, mais à tester en émulateur ou à faire en émulateur, parce que c'est quand même une petite œuvre d'art, j'ai envie de dire. Voilà, tu vois, on y va mollo, parce que je te dis, malheureusement, c'est pas loin d'être un chef-d'œuvre, mais une petite œuvre d'art, parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, et rien que pour le concept, pour l'utilisation du mode 7, avec ce contexte de bateau qui s'échoue, oh, c'est une idée de ouf. Vraiment, c'est excellent de ce côté-là. Le jeu a une petite cote, alors en japonais, je ne sais pas, moi, en version US. Il est à peu près à 150 et 200. Ça dépend si tu prends des frais d'importation dans la tronche. Il est peu commun. Tu ne vas pas le trouver tout le temps sur eBay. Il y a des moments où alors, il y a toujours des mecs qui vont te le mettre à 1000. Tu vois, évidemment, il y a toujours des comiques. Mais je veux dire, dans les prix, ouais, tu ne vas pas le trouver tous les jours, quoi. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bah voilà, donc moi... Même si je te dis que c'est une petite œuvre d'art, je ne peux quand même décemment pas lui mettre plus que 6 sur 10 au final, parce que je te cache pas qu'il m'a un petit peu énervé sur certains points. Mais il faut l'essayer, les gars. Il faut donner une chance à ce jeu. Moi, je suis content de lui avoir donné une chance. Après, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Pas forcément, tu vois. Je peux pas te le cacher. Par contre, si une fois quelqu'un a la magique idée de faire un reboot de ce jeu, alors là, j'y vais direct. Parce que ça aurait pu être un plaisir, mais malheureusement, le plaisir est gâché par une jouabilité, un gameplay un peu laborieux.
Voilà, j'espère que cet épisode d'Avis à Vif vous aura plu. Je suis très content de vous voir présenter ce petit jeu. Et puis, bah, de toute façon, je crois que vous connaissez l'histoire. Hein. On se retrouve bientôt pour un prochain Avis à Vif, pour une prochaine présentation de collection, pour un prochain 5 minutes pour te mettre en route, pour un prochain capture et découverte, pour une prochaine interview, pour je ne sais pas. Il y a trop de rubriques maintenant sur cette chaîne, c'est le bordel, putain. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous fais bien évidemment de gros bisous. Ciao!